les plateaux. Comment? Et vous et les plateaux. Faites avec Charlotte, mettez-vous avec Samira, parce que si au moment où il faut donner que vous êtes avec le plateau, il y a un truc. Ah ben si vous passez devant, ça va pas être gentil. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Sûr, vous êtes prêts? Un, deux, trois. Sur le mont du laïque se dresse ma maison, il va de la musique au cœur d'un tronçon. J'ai mis le nom du diable, les cerveaux transformés. Au sein de
ma mère. Il paraît que la langue française est très difficile, mais je sais que vous la maîtrisez très bien. C'est ainsi qu'autour du verbe poser, il y a beaucoup de satellites. Poser, déposer, opposer ou bien préposer. C'est ce que je suis aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à ma maison de Bordeaux. C'est avec joie qu'unis à mes amis pensionnaires, je vous dis notre honneur de vous recevoir aujourd'hui. Regardez autour de vous. Tout le monde est heureux. Tout le monde sourit. Tout le monde est joyeux de vous accueillir. Cette maison, autrefois, s'appelait le château du diable. Légende bordelaise qui raconte qu'on y fabriquait de la fausse monnaie. Aujourd'hui, c'est la maison du repos paisible où règne le calme et la paix. On n'y frappe plus de la fausse monnaie, mais on y respire le calme et la tranquillité qui font de la vieillesse, non, de l'âge certain, une période paisible. Merci de votre venue. Merci de l'ambiance joyeuse que votre présence suscite à ma maison. Comme d'habitude, cela se traduit par des bravos et un petit moment d'amitié que nous partageons volontiers avec votre congrégation. Merci beaucoup. Au nom du père Pierre Dulan, retraité, et le père Jean Melousse, retraité, résident à ma maison. Et moi-même, père Christian Goujon, aumônier de ma maison, logeant au presbytère Saint-Nicolas à Bordeaux. Chère mère, nous sommes très heureux de vous accueillir pour votre visite canonique et nous souhaitons la bienvenue, si vous êtes bien, en applaudissant. Par votre présence, vous nous ouvrez à une dimension universelle du beau travail que font les petites sœurs des pauvres dans de nombreux pays pour accompagner les résidents tels que le souhaitait Jeanne Jugan en accueillant les isolés et les plus pauvres. Permettez-moi, ma mère, de citer les 31 pays où œuvrent les petites sœurs au nom de Jésus-Christ. Argentine, Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Chili, Colombie, Congo, Brazzaville, Corée du Sud, Écosse, États-Unis, Espagne, France, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Kenya, Mélanie, Malte, Nigeria, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Samoa, Apia, Sri Lanka, Taïwan, Turquie. Avec toutes mes excuses, ma mère, pour ce long préambule, mais je pense à cette citation, « Ne refusez rien, ô bon Dieu, rien n'est petit, dans la vie religieuse, il faut tout faire par amour. Comme prêtre et prêtre au pluriel, quand nous célébrons l'Eucharistie à ma maison, nous rendons grâce à Dieu et nous portons dans la prière et dans la rencontre chacun et chacune de vivre en Église. Par nos actions et nos témoignages, nous proclamons que dans la société, nos vocations en Jésus-Christ, que les personnes âgées valent plus que de l'or du monde. Aussi, ma mère, nous sommes très heureux de vous accueillir et bon séjour à nos maisons. Merci beaucoup. Oyez, 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 par Saint-Denis, par Saint-André, et Sainte Marie de la Croix, oyez, oyez, oyez. Mère Marie Noël, supérieure des petites sœurs des pauvres de Bordeaux. Frère Christian,
Monté. J'espère que je ne me suis pas trompé. En visite, je parle allemand, je parle anglais, je parle un peu français, mais je ne parle pas espagnol. Serviteur à cette maison, avec trois dames qui m'entourent, de bon aloi, de bonne lignée, nous sommes heureux de vous accueillir, mère générale, dans cette maison qui est marquée du signe de la providence divine. En effet, revenons ensemble aux années 1850 et au mois de juin de cette année, où deux petites sœurs des pauvres, elles ont pris cette appellation depuis le 5 février 1844. Sœur Pauline et sœur Eulalie sont à Bordeaux. C'est tout à fait exact. Je crois que je vais faire sans. C'est bien. On attend bien. Donc c'est Mère Marie Augustine de la Compassion qui nous avait envoyé dans la grande ville sur le bord de la Garonne, cité magnifique, pour y fonder un établissement pour personnes âgées sans ressources. Je confirme, cette mission était judicieuse, car il y avait grande misère dans la ville de Bordeaux, liée notamment aux événements révolutionnaires de 1848. Que de vieillards abandonnés dans les rues, notamment la nuit. Que de personnes âgées manquant de logement. Bien entendu, selon les règles de la bienséance ecclésiastique, Monseigneur Ferdinand François Tonnet, le grand primat d'Aquitaine, archevêque de Bordeaux, nous a reçus. Mais son accueil fut glacial, sans anémité singulière. Nous sommes sortis de l'archevêché perturbés, mais plus que jamais motivés par notre mission. Sans doute, cet évident prélat, détruisant notre congrégation, se réservait pour juger au mieux notre bonne volonté, notre charisme et surtout notre réussite. Alors, nous nous sommes dit, après tout, Monseigneur ne nous a pas défendu de commencer et nous avons agi. Mais nos recherches de logement ont été difficiles. En fin de matinée, le 12 juin 1850, nous étions dans le faubourg sud de Bordeaux. Assises sur une murette de pierre, nous étions fourbus, fatigués, au milieu des vignes, proche du ruisseau de Codéran. De passage, un jardinier, intrigué de nous voir là, nous a demandé la raison de notre présence. À notre réponse, il nous a alors désigné une grande maison au milieu des vignes, abandonnée, et nous a précisé « Cette maison possède une mauvaise réputation, on l'appelle la maison du diable. » En raison de bruits étranges qui s'y font entendre, surtout la nuit. Je me suis exclamée, « Oh, le diable, j'en fais mon affaire !» Et de ce fait, nous avons découvert dans la cave du bâtiment un faux monnayeur qui frappait monnaie en toute impunité. Il va sans dire que ce Belzébuth de circonstances fut à jamais chassé. Dès le 14 juin, ayant déposé nos baluchons, nous avons pu aménager un accueil pour deux pauvres personnes âgées. Une nouvelle chaîne de solidarité était en marche. C'est le début, Mère Générale.
d'une grande aventure charitable, mais aussi spirituelle. Au cours des siècles, les évêques ou les archevêques successifs du diocèse, les politiques, les édiles de la cité, en particulier au XXe siècle, Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé, les notables, les bénévoles, les vignerons du Grand Sud-Ouest ont soutenu votre maison devenue la marque de la bienfaisance à Bordeaux. C'est pour ça, en filiation, deux petits bourgeois bordelais, sœur Eliane, vous me suivez, en costume du temps, nous sommes heureux de vous offrir le fruit du travail des femmes et des hommes des terres de Gironde pour saluer votre accueil et celui de mère Agnès, votre assistant. Non, c'est mère Sophie, excusez-moi. Merci beaucoup de l'histoire. Les deux petits, vous êtes très bien habillés. Merci beaucoup, surtout. Entrez, parce que c'est toi. Ils peuvent aller prendre quelque chose, hein. Nous, on va manger. Et après, mon Dieu. Et avec un éventail en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.